Bienvenue à l'animalerie du lycée du Menet. À l'animalerie, nous possédons divers poissons domestiques et non domestiques, ainsi qu'un axolote. Certains rongeurs, hamsters, gerbilles, octodons, chinchillas et cochodons y sont présents, mais également des lapins. À la volière, on peut retrouver différentes espèces d'oiseaux domestiques. L'animalerie du lycée possède des reptiles, sont des serpents et des pogonas. Le pogona est un petit lézard qui vient d'Australie, vivant dans le désert australien à l'état sauvage. Sa couleur change en fonction de sa région d'origine. Le pogona adulte est assez grand, il mesure entre 40 à 60 cm de la tête à la queue pour un poids de 30 à 50 grammes. En captivité, il peut vivre jusqu'à 10 ans. C'est un reptile avec un régime alimentaire omnivore mais à tendance carnivore au stade juvénile, se nourrissant d'insectes et de végétaux. Les jeunes pogonas du lycée sont nourris avec 4 grillons par jour ainsi que des végétaux, carottes, salades, en quantité illimitée. Une à deux fois par semaine, du calcium est déposé sur des grillons pour ainsi aider le développement de leur croissance. Les mini-stages. Une tenue est exigée pour la sécurité des stages effectués au sein de l'animalerie. Ainsi, une blouse doit être mise avec les cheveux longs, attachés et sans bijoux. Il faut toujours se laver les mains avant et après chaque changement d'animal pour des soucis d'hygiène et sanitaire. Pour les pogonas, au sein de leur terrarium se trouve un point chaud où ils sont tendance à dormir et un point froid où l'on disperse la gamelle. Avant de les nourrir, il faut laver les gamelles à l'avance. Pour l'alimentation, il faut préparer les légumes, les couper à bonne taille et préparer les grillons. Enfin, il faut donner les aliments et l'eau dans les points froids puis refermer correctement le terrarium.